Bonsoir. Ce mardi était la journée la plus lumineuse de la semaine, mais déjà très grise dans le Nord-Ouest à cause d'une perturbation qui va s'installer ce mercredi matin. De l'Aquitaine jusqu'à la Champagne, avec un temps pluvieux et de la neige prévue en montagne. Rapidement, le ciel va s'ennuager et se couvrir dans le Sud et dans l'Est, mais les éclaircies reviendront par le Nord-Ouest, avec déjà la possibilité d'averses vers les littoraux durant l'après-midi. Le front se décalera vers l'est du pays, de la pluie en plaine et de la neige en montagne. De belles éclaircies de l'Aquitaine jusqu'au bassin parisien mais de nouvelles averses parfois soutenues, orageuses et accompagnées de fortes rafales de vent vont se déclencher près de l'océan et près des côtes de la Manche. Côté Mercure ce mercredi matin on aura quelques gelées vers les Alpes et vers la Suisse ce sera plus doux dans le nord et l'ouest et dans l'après-midi il ne fera que 5 petits degrés à Strasbourg, 7 à Lyon, 9 à Paris, 12 quand même pour La Rochelle, 14 à Perpignan et 15 degrés en Corse. Jeudi nouvelle dégradation qui va revenir par l'ouest, avec un temps vraiment très automnal, des pluies soutenues et de fortes rafales de vent, notamment près de l'arc océanique, des pointes jusqu'à 100 km à l'heure localement. Un temps lumineux entre les Alpes du Sud et la Corse et des températures qui resteront fraîches à l'est, mais très douces à l'ouest du pays, avec 13 degrés près de l'océan. Vendredi, la journée la plus agitée de la semaine, avec un ciel très encombré, de nombreuses averses, elles seront parfois abondantes entre le sud-ouest et les régions alpines. Notez la neige qui va tomber sur la plupart des reliefs et surtout le vent qui sera le paramètre prédominant de cette journée on attend un coup de vent sur la plupart des régions mais c'est dans le sud-ouest qu'il s'annonce le plus important avec des rafales qui pourront atteindre 100 à 120 km à l'heure notamment du côté de la côte aquitaine ou encore dans le domaine de la tramontane notez que la tempête va également concerner la corse avec de très violentes rafales notamment aux extrémités de l'île et en montagne et les températures de cette journée seront douces globalement avec ce vent océanique. On aura 14 degrés à Toulouse, 16 à Perpignan et 17 à Ajaccio. Le week-end quant à lui va marquer une atténuation progressive de l'instabilité avec encore des pluies samedi de la Gironde jusqu'aux Alpes, des averses pour les régions du nord et encore un vent très soutenu. Mais l'instabilité reculera pour dimanche avec de plus belles embellies dans le sud et l'est. Toujours des averses et du vent de la Bretagne à la Belgique. Notez qu'il fera très doux au cours de cette journée et la douceur va perdurer pour le début de la Semaine prochaine, avec un temps plutôt calme lundi, mais la pluie reviendra par le nord-ouest et par la Méditerranée et elle devrait circuler dans le centre du pays pour la journée de mardi. Ce soir, direction l'île de France, avec ce coucher de soleil du côté des Yvelines, un temps calme sur le secteur aujourd'hui, comme dans beaucoup de régions françaises, mais ça ne sera pas le cas pendant très longtemps et on voit pourtant que les sols sont gorgés en eau, ça ne va pas aller en s'améliorant d'ici au week-end. Demain, nous serons donc le mercredi 11 décembre et nous perdrons une minute de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.